Voici un exercice pour illustrer les constructions graphiques que l'on va réaliser sur les extracteurs simples. Alors, on désire faire l'extraction d'une solution aqueuse d'acide acétique par de l'acétate de butyle pur dans un extracteur simple. Donc, on va supposer que cet extracteur simple est un étage théorique. On a les débits massiques de la solution d'alimentation, donc à 100 kHz, et puis du solvant, 150 kHz. On sait que la solution titre à 20% massique en acide acétique. Et on vous demande de déterminer les titres massiques de l'extrait et du raffinat qui vont sortir de cet extracteur simple. Alors, on reprend notre courbe binodale et les conodales qui correspondent à ce mélange acide acétique eau acétate de butyle. Et on va placer les points qui correspondent aux alimentations. Alors, on a le point qui correspond à la solution qui se trouve ici bien sur le côté du diagramme, puisque c'est une solution qui contient uniquement de l'acide acétique et de l'eau. Et elle est positionnée, cette alimentation, pour un titre en acide acétique de 20%. Donc, si on prend les lignes plus épaisses, hein, là on est à 5, 10, 15 et 20%. Donc voilà la position de notre solution d'alimentation. Pour ce qui est du solvant, bah, lui c'est du solvant pur. Donc c'est tout simplement le sommet qui correspond à l'acétate de butyle. Alors, on va tracer ce qu'on appelle la droite d'alimentation qui va relier ces deux points correspondant à la solution et au solvant. Sur cette droite d'alimentation, on va positionner le point fictif, le point sigma, qui a un titre x sigma, qui est, quand on a affaire à du solvant pur, xA fois LA sur VA plus LA. Donc, xA, c'est 20%, le titre en soluté dans la solution. Et là, c'était 150 kHz, c'était 100 kHz, pardon, et VA, c'est 150 kHz. Donc, avec ces valeurs, on peut calculer que le titre fictif, il est de 8%. Et on va donc positionner sur la droite d'alimentation le titre correspondant à 8%. Donc, on va se placer sur notre droite rouge pour un titre qui correspond à 8%. Donc, on a 5% ici, 10% là, et 8%, ben, c'est ici. Donc, le titre... le point fictif se trouve ici, sur la droite d'alimentation, pour un titre en soluté de 8%. Et donc maintenant, on va chercher à trouver une conodale qui passe par ce point fictif, donc notre point sigma ici. Alors, on n'a pas de conodale qui est déjà tracée et qui passe pile poil par ce point. Donc en fait, on va faire une interpolation linéaire entre les deux conodales dont on dispose, donc celle-ci et celle-ci, qui sont juste au-dessus et juste en dessous. Alors, c'est plus ou moins facile de faire cette interpolation, mais voici à peu près un tracé correct qui vous permet de récupérer ici à l'intersection avec la courbe binodale du côté des raffinats. On va pouvoir lire le titre X1 qui correspond au titre du raffinat qui sort de notre extracteur simple. Et puis ici, côté des extraits, on va avoir le titre Y1 toujours sur la courbe binodale pour pouvoir déterminer la valeur de Y1. Donc ici, si on lit, on voit que l'on a donc ici 5%, 10%, donc on est à un X1 qui vaut à peu près 12%. Et puis du côté raffinat, donc on a 5% ici, donc ça nous fait un X1 qui est à peu près de 6%. Donc vous voyez que cette simple construction graphique a permis de déterminer le titre dans le raffinat et le titre dans l'extrait, si l'on suppose que l'extracteur est un extracteur simple. Alors cette construction, on va la réitérer de nombreuses fois. En tout cas, le tracé de la courbe à droite d'alimentation est quelque chose que l'on fait très couramment. Et ensuite, en fonction du fait qu'on a des étages théoriques ou pas, eh bien, on va faire ces tracés d'interpolation de conodales passant par le point fictif sigma.